D'abord grâce à l'ensemble orchestral de Paris qui m'a demandé de travailler avec les enfants. Je l'avais déjà fait l'année dernière, c'est-à-dire sur le thème d'une fable de La Fontaine par classe, et les enfants bâtissant, construisant, écrivant avec leur instituteur ou institutrice une histoire qui prend comme base le thème comme le loup et l'agneau ou le lion et le rat. Puis après on a commencé à inventer la suite. Après, quand on a terminé de l'inventer, on l'a envoyé à Madame Le Boulquin. Et après, le texte m'a été soumis et après, j'ai travaillé en essayant d'être extrêmement fidèle à leur texte. Après, il y a eu le relais qui a été fait donc, par les professeurs de la ville de Paris. Nous, on reçoit les partitions et ensuite, on leur fait travailler en classe les chants. Valeur de ce qu'ils sont eux en tant qu'élèves, mais aussi de leur travail qui est très importante. Et ça, c'est précieux dans le sens où ça leur donne une envie et une motivation qui est assez exceptionnelle. C'est très important de faire ce type de projet parce que c'est valorisant. En même temps, c'est une manière de s'exprimer. Ils font des programmes en expression écrite, orale. Tu te places devant le public et tu dis le titre. Cigale, aigle, fourmi. Anti-cigale est un nid qui toujours te cache chanter. Ce qui m'a plu, c'est que de chanter, de rencontrer les compositeurs de la musique et la chanter jusqu'à la voir bien oralement. C'était pas comme on faisait d'habitude avec le piano, c'était des autres instruments, pour ça c'était bizarre. Mais c'était bien. Avec les musiciens, c'était sensationnel. Les textes, vous les dites en déclamant bien. Je trouve que c'est un beau trajet en fait qui a été effectué. Et nous d'avoir participé à ça, on n'est pas si souvent que ça finalement associé à un processus de création. On nous donne des œuvres qu'on lit, qu'on joue, qu'on exécute, ça se passe en 2-3 jours. Là, on était presque associé à toute la genèse finalement. Ils ont été pris en main magnifiquement et par les instituteurs. Et également par des professionnels du chant choral. Et bien voilà, le travail est magnifique. Et moi, j'en suis, comme a dit un gamin, gentiment ébloui. C'est moi qui suis ébloui. Je ne sais pas s'ils le sont, mais moi, je le suis. Un animal qui se dit dans les oreilles.